pas être rempli d'émotion et d'admiration devant cet hôpital qui fête ses 100 ans cette année. Un hôpital à visage humain où un personnel soignant exceptionnel se penche sur les petits corps et les âmes qu'on leur apporte, souvent en bien mauvais état, et qui repartent, pour beaucoup, sur leurs petites jambes en courant. Un hôpital dont les chercheurs sont reconnus dans le monde entier, parce qu'ils trouvent des solutions et des remèdes aux maladies les plus terribles. Un hôpital où l'on se sent en confiance et en sécurité lorsque nos enfants ont besoin d'aide. Au fil des 100 ans passés, des hommes et des femmes, médecins, infirmières, infirmiers, thérapeutes en tout genre, ont donné leur vie en donnant la vie à des millions d'enfants. Ils en ont soigné des millions d'autres et en ont guéri la plus grande partie. Pour eux, il suffit d'aimer. Aimer leur travail avec passion. Aimer les enfants assez fort pour leur donner la vie ou les arracher à la mort. C'est pour eux qu'on a fait ce spectacle ce soir. Ils sont le plus bel exemple que quand on n'a que l'amour, c'est plus fort que tout. Quand on n'a que l'amour, à souffrir en partage, au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour me voler de merveilles et couvrir de soleil. De manteau de velours, quand on a l'amour à offrir en prière dans les monts de la terre, en simple troubadour, quand on a que l'amour à offrir à ceux-là, on lui dit et de chercher le jour. Quand on a l'amour pour tracer un chemin, il faut
Merci aux gardes. Chut Sainte-Justine, les petits chanteurs de Laval et les voix boréales et les musiciens sous la direction de Guy Saint-Onge. Mesdames et messieurs, merci les enfants.